Kratos, aujourd'hui nous parlons de Tempest, Joust et Phoenix. Phoenix est un shoot'em up de Taito ressemblant un peu à Space Invaders. On doit y combattre des oiseaux dans l'espace en déplaçant notre vaisseau horizontalement en bas de l'écran. On peut utiliser un bouclier pour se protéger, mais quand on l'utilise, on doit attendre quelques secondes avant de pouvoir recommencer. Des œufs arrivent, et si on leur laisse le temps d'éclore, ils sont plus difficiles à vaincre et continuent à se diriger vers le joueur en poussant des cris. Le titre propose une progression bien faite entre les niveaux, et il est l'un des premiers jeux, hors aventure textuelle, à posséder un boss, un ennemi plus puissant à vaincre en fin de niveau, qui se veut impressionnant. Le jeu possède une ambiance particulière, notamment grâce à sa musique, et sera très bien adapté sur Atari 2600. Il connaît également une suite, Pleiades, développée par Tekken, futur Tecmo, et moins réussi. Tempest est un shoot'em up à graphisme vectoriel assez original. Dans ce jeu, un niveau est composé d'une forme géométrique découpée en plusieurs parties. Le joueur peut déplacer son vaisseau d'une partie à l'autre, mais en restant uniquement sur la bordure extérieure. Le but était de donner une impression de profondeur. Le jeu original comporte 16 formes différentes à laquelle on doit s'adapter pour jouer. Le joueur choisit la difficulté du niveau au début du jeu. Les ennemis viennent de l'intérieur de la forme et se dirigent vers vous. Il faut le détruire avant qu'il n'atteigne le vaisseau et tenter le plus gros score possible. Des conversions ont été faites pour quelques micros, mais pas pour console, bien que des versions Atari 2600 et Atari 5200 étaient en préparation. Celles-ci se seraient montrées trop pauvres graphiquement. On pourra cependant retrouver plus tard le jeu original dans diverses compilations. Tempest a ensuite connu deux remakes, Tempest 2000 sur Jaguar, puis Saturn en 1994, sorti également sur PlayStation sous le nom de Tempest X3. Ce titre propose 4 modes de jeu, traditionnel, version originale du jeu, plus, vous permettant de jouer avec un ami, duel, vous permettant de jouer contre un ami, et 2000, comportant 100 niveaux avec de nouveaux ennemis. Dans ce dernier mode apparaissent des bonus qui vous permettent de débloquer certaines aptitudes, comme le saut, et de nombreux power-ups ainsi qu'une bande-son techno. Une fois les 100 niveaux terminés, vous débloquez le Busy Tilly mode, qui augmente la difficulté en ralentissant la fréquence de tir du joueur. Tempest 3000 sur Nuon en 2000 comprend des améliorations du soft décrit précédemment, mais apporte peu de nouveautés, si ce n'est l'originalité de son support. On notera aussi que le jeu Tempest est cité dans le film d'horreur La Nuit de la Comte. Dans Joust, le joueur est placé dans un univers médiéval fantastique sur un genre d'autruche et doit avancer sur une série de plateformes sans tomber dans la lave en combattant avec une lance des ennemis chevauchant des buses géantes. Rien que ça. Vous disposez d'une touche qui permet de voler en appuyant à plusieurs reprises dessus. Quand vous rencontrez un adversaire, c'est celui qui est le plus élevé qui gagne. Plus élevé verticalement, c'est-à-dire. Lorsqu'une monture ennemie est éliminée, elle lâche un œuf qu'il faut détruire avant que ça ne donne un ennemi plus puissant. Quand une vague d'ennemis a été détruite, une autre apparaît avec une difficulté accrue. Il existe un mode pour jouer à deux, dans lequel les deux joueurs sont libres de s'affronter pour les points ou de coopérer. Ils peuvent également malencontreusement se percuter alors qu'ils avaient choisi de coopérer. Ce mode aurait inspiré Miyamoto pour le mode deux joueurs de Mario Bros un peu plus tard.
On peut penser que cet esprit déjanté lui a valu son succès. Une suite, Jouste 2, a vu le jour en 86. Et une suite en 3D, Jouste Dactyl, fut également en préparation pour la Jaguar, mais annulée. Quelques petites anecdotes autour de Jouste. La plus longue partie connue de Jouste, ayant été réalisée, a duré 67 heures et 30 minutes. Dans celle-ci, le joueur James Volant atteignit un score de 107 216 700 points. N'égalant pas un autre joueur, John McAllister, qui lui avait atteint 107 301 150 points. Jouste apparaît dans plusieurs séries télé, dans un épisode de Columbo, aux côtés du jeu Star Castle, et dans un épisode de la série Fringe. Et à noter aussi, le réalisateur Uwe Boll, connu pour faire des adaptations de jeux vidéo au cinéma souvent très critiquées, aurait, ou aurait eu, en projet de faire un film autour de Jouste. A plus tard, gamers et gamers!